Bonjour à tous, bienvenue sur LanguageCraft pour un nouvel épisode de Planet Coaster. Aujourd'hui on se retrouve pour faire ces grands jardins. Vous vous souvenez que dans le dernier épisode on a on a placé le temple, etc. On a fait l'autre partie de la promenade et on a construit tout le circuit qui va maintenant être étoffé avec quelque chose, parce que pour l'instant j'appelle pas ça un parc, j'appelle ça... Je sais même pas comment j'appelle ça. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cet épisode exactement? Déjà, j'ai envie d'aller vite, mais non, je vais pas le faire, parce que j'ai dû couper du coup la bande originale de La La Land, avec laquelle je me drogue depuis que je l'ai reçue. Donc là, j'ai été obligé de la couper. Alors, première chose que j'ai envie de faire, c'est une excellente idée que j'ai vue dans les commentaires, qui était de faire un labyrinthe. Et je me suis dit qu'ici, ce serait parfait. J'étais pas convaincu par cette queue, et donc je me dis que ça peut être super sympa de faire un labyrinthe en fait qui fait tout ça. Alors ça va être compliqué parce que du coup le principe d'un labyrinthe c'est qu'il y a plein de chemins, et là il faut que je puisse occuper tous les enfin il faut que je puisse occuper tout cet espace là quoi. J'ai besoin de cet espace pour ma queue, pour ma file d'attente, parce que j'ai vu vos commentaires hein. Donc ouais, ça devrait le faire comme ça. J'ai un petit peu changé également l'intérieur parce que en effet il devait marcher un tout petit peu trop loin. Mais j'en ai plusieurs qui disaient, ouais, il faudrait que tu les inverses. Non, c'est pas les inverser, parce que dans tous les cas, ils partent du même endroit pour aller là et revenir de là. Donc qu'ils aillent là et qu'ils viennent de là, ça change absolument rien. Donc je les ai juste rapprochés un peu, genre, elle était au centre, elle était là. J'ai juste, hop, décalé les deux pour qu'elles soient centrées comme ça. Ça va, je trouve ça un peu chelou, mais ça passe. Et du coup, là, ce qui restera à faire, c'est, vous voyez que là, il y a des, c'est pas terrible, terrible. Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'était pas modifier le tracé. Oh là là. C'était, voilà, grille de la station. Là, à mon avis, ce qu'il va simplement falloir faire, c'est, je sais pas, mettre. Qu'est-ce qu'on a comme mur qui marcherait? Du béton brut, ça marcherait bien. Ouais. Genre, hop, tiens, on va même en mettre un tout petit. Et voilà. On la baisse. Voilà, ce sera nickel ça. Juste pour remplir. Ouais, non, je vais pas pouvoir. Du coup, toi. Juste le mettre à la même hauteur. Voilà. Quelque chose comme ça. Bon, c'est pas parfait ici, mais c'est le plus proche que j'arriverai à faire, je pense. Tac. Là, on en met un autre comme ça. Voilà, c'est juste pour remplir un peu. Voilà, c'est un peu mieux là quand même, là, vous voyez qu'on fait tout le tour, et ce que je pense que je vais faire à terme, c'est que je mettrai des balustrades ou quelque chose pour les empêcher de juste se balader. Sinon j'ai rajouté un petit peu là des jets, qui sont pas trop mal, et certains m'ont dit hey, mets de la lumière, je l'avais déjà fait, hein, j'avais déjà mis de la lumière, je suis étonné que ça se voit pas. Si je regarde, ouais si, ça se voit quand même, vous l'avez pas vu dans la cinématique finale? Ah oui, c'est vrai qu'il y en a pas sous l'eau, c'est vrai, ou très peu. Mais non, moi je trouve que c'est suffisant ce qu'on a là. Alors, hop, notre labyrinthe va venir là. Je me demande si avant de faire le labyrinthe, je vais peut-être faire le passage qui doit passer là. Donc je vous rappelle, là on va faire un lac. Alors qu'est-ce que j'ai envie de faire en premier? Je pense que je vais faire le terra de toute cette zone en premier, pour avoir aussi la montée. Et ouais, ici aussi il y aura du terra. À la limite, ça je peux toujours... Ah bah voilà, ça je vais carrément le faire partir sous terre. Hop. Voilà, fait un autre petit, voilà, tout petit tunnel. Et ça, du coup, voilà. Donc là, l'idée, c'est que on a une montée ici, sans doute avec un escalier. Je sais pas si je vais pouvoir, mais ça devrait le faire. Ensuite, on arrive ici. Ça, on le monte comme ça. Donc là, je vous le montre, hein, j'affinerai ça par la suite. On arrive ici, donc, en hauteur, sur toute cette zone-là. Et donc, ce que je veux, c'est que ça... Ça arrive jusque là, comme ça, le long là, on a une falaise. Et là, cette fois-ci, j'ai pas envie d'avoir une arche. Est-ce que j'ai envie d'avoir une arche là? Ça fait très... Oh, si ça passe. Si ça va. Mais du coup, là, ce sera juste un chemin avec un escalier. Ou est-ce que je mets un canyon? Non. Non, je pense que... Voilà, on va faire ça comme ça. Hop, ok, bon bah maintenant il faut affiner tout ça, rendre ça un peu plus plat, etc. Notamment parce qu'on va mettre une sorte de mini village ici.
Et voilà, plus d'un album entier de La La Land plus tard, on se retrouve pour notre labyrinthe que vous pouvez trouver juste là. Alors je viens juste de le réactiver après des tests, j'aurais dû le réactiver bien plus tôt, donc du coup les gens vont commencer à revenir maintenant. Et voilà ce que ça donne, je suis vraiment satisfait du résultat, et je trouve que c'était une excellente idée que vous m'avez donnée de faire un labyrinthe là. Donc voilà, c'est le but c'était vraiment de d'utiliser à peu près toutes ces pièces là qu'il y a dans la sorte de collection de des sculptures végétales, parce que sinon je vois pas trop quand je vais pouvoir l'utiliser. Donc du coup j'ai fait ce labyrinthe avec des haies et ensuite j'ai décoré tous les trous avec plein de buissons, des trucs, des sortes d'arbres, etc. Ici, alors il y en a pas beaucoup du coup, mais ici et là vous voyez que là il y a un faux chemin là aussi. Ici j'en avais fait un au début, mais finalement j'ai préféré faire une sorte de mini place, et là il y a encore un autre chemin, donc bon, il n'y a que trois façons de se planter, mais de toute façon il ne risque pas de se planter, donc c'est pas grave, c'est surtout juste visuellement pour montrer, oui c'est bien un labyrinthe, c'est pas juste un chemin. Alors c'est pas parfait, vous voyez que du coup il y a cette petite plateforme qu'on voit déplacer, mais franchement je trouve ça pas mal, c'est vraiment raccord. Et c'est trop classe comme truc. Alors là par contre je trouve ça très très blanc par rapport à toutes les autres couleurs qu'on a, donc j'ai quand même le jaunir un petit peu. Ah ouais, beaucoup mieux. Voilà. Ouais, si, si. Et voilà ce que ça donne, du coup. On a tout le monde qui rentre comme ça. Alors, waouh. En plus, attends, c'est moi où j'ai cru voir un truc. Alors là, il est à 1050. Toi, t'es à combien? Ou 1158, d'accord, ok. Et toi? 1163. D'accord, non. Je pensais qu'elle avait dépassé en prestige. Je me suis dit, what? Ceci dit, elle va pas tard. Enfin, c'est possible qu'elle le dépasse encore, parce que là, je vais mettre encore pas mal de choses. Et j'ai même pas encore commencé. D'ailleurs, à ce rythme-là, je vais passer 10 heures sur cet épisode. Ce serait pas la première fois, mais bon. T'es pas payant, toi, hein, on est d'accord. Non, zéro. Cool. Oh, ça rend trop bien. Regardez-moi ça, avec les gens qui traversent le labyrinthe. C'est énorme. Je suis super content. Donc voilà ce que ça donne ici. Notre petit labyrinthe, alors imaginez, enfin heureusement je crois que je vais pas passer autant de temps sur chaque partie, parce que sinon on va pas s'en sortir. Par contre, tiens, pendant que j'y suis, j'ai aussi fait une partie du terrain. Allô? Et j'ai galéré comme pas possible ici, je suis sûr que je voulais couper au montage, parce que j'ai passé beaucoup beaucoup trop de temps ici à essayer de rendre ça mieux, mais c'est vraiment, j'y arrive pas, hein. Dans ce jeu globalement les chemins je les trouve vraiment mauvais, et donc du coup bon bah on a un truc un peu tout moche, mais bon c'est ce que je pouvais faire de mieux, je m'y suis repris à de nombreuses fois, et du coup on a ça qui passe un petit peu sous terre, ça ne me dérange pas plus que ça. Là j'ai réussi à faire un lac comme vous le voyez, alors je suis pas encore fan de ça, je sais pas encore comment je vais mettre la chute d'eau. En fait la grosse question que je me pose c'est d'où va venir l'eau, c'est surtout ça, je sais pas du tout d'où je vais faire venir l'eau ici. Donc pour l'instant on laisse ça comme ça, on va passer à quoi, on peut passer, là j'ai pas d'idée pour le coup. Ah c'est vrai que là j'ai le bâtiment, bah on peut tiens s'inspirer un petit peu par rapport à ça, où est-ce que je voudrais poser ça? On va l'incruster dans la montagne. Alors, sachant que j'ai eu plusieurs idées ici de gens qui m'ont dit mais laisse ce pont à cet endroit-là ou plus ou moins. Et je me suis dit que c'était une très bonne idée parce que mine de rien, là si on veut une zone médiévale fantastique et là on a une zone romaine, c'était deux civilisations qui avaient des remparts. Alors pourquoi pas ici en fait faire un rempart. Ah ouais mais non parce que je veux pas. Ah mince, attendez. Attendez, je me pose la question de si ça marche, parce que, donc, je vais avoir une gare par là-bas. Alors, 1, 2, ça c'est très court. 3, pourquoi, bah, ouais, 3, et je pensais faire 4, 5 à la limite, ou sinon, on pourrait faire 4, et en fait, on met la gare là. Ah ouais, mais ça va être chaud, parce qu'il faut qu'elle redescende. Parce que, oui, donc l'idée c'était en gros de faire passer ça sur les murailles, c'était une excellente idée, j'avais trouvé, et que d'un côté du coup ce soit des murailles médiévales, et de l'autre côté ce soit des murailles romaines. Alors dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait faire. Est-ce qu'on va faire passer le train par-dessus? Je suis pas sûr. On pourrait mettre, ouais, du coup la gare là. Après ça va être chaud de la faire descendre, bon ceci dit elle est plus haute que nécessaire. Parce que l'autre idée, moi à la base, j'allais la foutre, enfin la mettre par là, la gare. Mais bon, on peut la mettre là, pourquoi pas. Et du coup, ici, de toute façon, on va le faire passer sous terre, et peut-être ressortir par ici pour la zone futuriste. Ok.
Ok, donc ouais, ça ce sera quelque chose à faire plus tard, mais du coup, à savoir que là, voilà, ce sera une ligne droite absolue. Et c'est une très bonne idée. Alors, qu'est-ce que je vais faire moi? Du coup, je voulais incruster un petit peu tout ça. Où est-ce que j'ai envie de mettre ça? Tiens, ça aurait pu être pas mal, tiens, dans le labyrinthe en lui-même. Alors, ça pourrait être super pour le centre ici. On fait une petite place. Toi, je vais clairement t'incruster quelque part. Genre là, c'est pas une mauvaise idée en vrai. C'est même un très bon endroit pour toi, je pense. Ouh, non, sinon on le met sous terre. Oh yes, ah ben non, parce que du coup on profite plus. Non, j'en ferai un autre sous terre, parce qu'on profiterait plus du toit. Bim. Si on pose ça comme ça, eh, on y voit que du feu, c'est super. Alors là, du coup, on va juste égaliser un peu, ce qui veut dire que, ouais, je vais devoir sans doute. Ouais, je vais coller le mur, mais c'est pas grave. Très bien. Et là, peut-être égaliser un tout petit peu aussi. Ok, cool. Donc là, du coup, bon, c'est pas parfait, comme vous pouvez le voir. Il y a un petit décalage, mais j'ose pas trop y toucher parce que vu qu'il y a plein. Enfin, là, vous voyez, il y a une pièce, deux pièces, trois pièces incrustées à chaque fois. Là, avec celle d'au-dessus. Oh, en plus, ça, c'est plein de chapeaux. Waouh. Je préfère pas y toucher parce que ça va être une migraine pas possible à remettre, je pense. Et que voilà, je préfère que ce soit un peu imparfait si on regarde vraiment de très près plutôt que de tout casser. Ça c'est parfait ici parce qu'on fait le tour. Et il me semble. Et du coup, peut-être mettre celui-là qui est un peu plus grand ici. Ouais. Hop. Faire ça comme ça. On va ajuster un petit peu le terrain. Ouais, ça c'est pas mal. Et on va lisser ici. Voilà, je trouverai un moyen pour essayer de faire ça. L'idée que j'avais eue pour l'instant, mais j'ai peur que ça soit lourd sur les FPS et que ça vaille pas le coup, c'était de faire en gros ça. Voilà. Faire quelque chose comme ça, est-ce que ça pourrait valoir le coup? Je me rends pas trop compte. Mais. Ah oui, en plus, ouais, bon là c'est pas dans les bâtiments donc c'est chiant, mais. Ouais, quelque chose comme ça pourrait être sympa, mais le faire tout le long. Oh. Donc on verra, je vais déjà faire tout le reste, et selon le courage qui me restera et l'estimation de la nécessité que je vois, on le mettra ou non. En attendant, du coup, ouais, j'ai posé celui-là ici, j'ai posé donc, le temple, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai quand même envie de ne pas oublier l'idée des ruines. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous aviez annoncé, enfin avancé pour cette zone, et je trouvais que c'était une bonne idée. Donc, voyons voir qu'est-ce qui me reste comme zone. Il me reste l'intérieur de la caverne, on pourrait mettre quelque chose, pourquoi pas. Ici, on pourrait mettre des ruines, mais il faut quand même qu'il y ait la place pour mettre des boutiques et tout. Là, on a pas mal de place, on pourrait mettre des ruines. À la limite, on pourrait faire tout ça en ruines. Là, je pense pas qu'il y aura quoi que ce soit ici. Ouais, donc, bah, ruine, là, tout ça, on peut le mettre en ruine, y compris, pourquoi pas, ça. Alors, là, du coup, c'est là où on va découvrir, est-ce que c'est facile, voire possible, de faire des ruines convaincantes dans le jeu? Hop. Ah, mince, ça, c'est une seule pièce. Et qu'est-ce qui se passe si je m'enlève? Ouais, elle est nécessaire, quand même. Bah écoutez, on va voir ce que ça donne si je la laisse quand même en hauteur. Ouais, c'est pas mal ça, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve que c'est convaincant. Alors ça, on a vraiment l'impression qu'il est en train de tomber. Ce qui est pas mal, celui-là aussi. Donc ouais, voilà. Ok, donc on va garder ça. Et donc ouais, tout ça, ce sera la zone complètement en ruine. Si ça se trouve, ce sera pour un autre épisode. Je me rends pas du tout compte de combien de temps d'épisode j'ai pour l'instant. On va déjà terminer ça, et on verra après. Donc là, je vais mettre de la végétation, sachant qu'une idée qui a été avancée également, c'était de faire le palais de Néron en fait. Alors c'est pas un palais, c'est un temple, mais moi je me dis que ce côté très extravagant avec en plus un truc là, ça peut être pas mal. Donc comment est-ce qu'on dirait par exemple les jardins de Néron ou le palais de Néron, quelque chose comme ça on l'attend, mais quelque chose avec Néron, pourquoi pas, et on l'affiche là du coup. On peut largement enlever la clock, l'horloge, c'est pas grave, et donc on met ça là. Et je pense que ce sera pas mal. Alors, pour l'heure, on a beaucoup de végétation. Là, ça, en gros, ça va être rempli de végétation. On se retrouve après une très longue ellipse où j'ai fait pas mal de choses. Alors, si j'essaye de retrouver tout ce que j'ai fait, j'ai un peu étoffé
Là, les contours, j'ai rajouté une belle fontaine ici. Enfin, belle, je vais rajouter une fontaine, quoi. Je trouve qu'elle est pas trop mal. Là, j'ai fait exprès de le laisser apparent, mais je suis pas forcément complètement convaincu. Qu'est-ce que ça donne si je le... Ouais, c'est peut-être mieux si je le cache, en fait. Alors, si je fais un peu quelque chose comme ça, et que j'attrape, disons, tiens, cette pierre-là, que j'essaie de cacher là-dessous. Ouais. Ah, c'est le vert. Hop. Genre comme ça, c'est pas mal. Et tiens, on va prendre la même pour cacher ici. Ouais, c'est mieux quand même. C'est beaucoup mieux. Alors après, on pourra mettre un petit peu de peinture pour régler le fait qu'on voit un petit peu d'herbe. Et ouais, là, on est bien. Donc là, du coup, j'ai ça qui est réglé. J'ai rajouté des petites haies ici pour... parce que vraiment, là, c'était moche, il y avait un écart. Donc là, on arrivait. Hop, j'ai également changé, du coup, le sol. J'en ai profité pour rabaisser le béton ici. En fait, quand ça faisait partie du même bâtiment, j'étais limité dans l'incrémentation de la hauteur. Mais quand je l'ai changé de bâtiment, je pouvais avouer que ça, du coup, c'est... Toutes les plaques sont leur propre bâtiment. Et ça, j'ai pu le monter et le descendre comme je voulais. Hop. Et du coup, on voit vraiment pas la différence. C'est parfait. Et oui, bah, j'ai rajouté plein de végétation par ici. Donc, globalement, ce coin-là... Je considère qu'il est à peu près terminé. Par contre, j'ai vraiment du mal avec les flancs des montagnes. Genre, ici, ça va, parce que là, je l'ai habillé. Mais même là, le haut, ici, la chute d'eau. Enfin, j'ai pas envie de mettre que des pierres. J'ai pas envie de faire que ça partout, parce que enfin, ça va être trop, quoi, je pense. Donc, je sais pas encore pour cette zone-là. Mais cette zone-là, je pense que ça va. Par contre, il va rester ça. En attendant, qu'est-ce que... Ah oui, tiens, là, j'avais mis pas mal de petits bâtiments. Par ici que j'ai téléchargé, je me suis dit, ah, peut-être qu'il y en a un qui va marcher. Et en fait, lui, je trouve qu'il fait pas forcément assez. Enfin, si, facilement, mais il fait très. Enfin, c'est vraiment un mausolée, c'est pas l'effet que je veux. Ça, c'est trop petit. Et ces deux-là, celui-là, il est pas mal, mais sans plus, celui-là, par contre, je le trouve ultra cool. Je trouve qu'il est très convaincant en bâtiment romain, ouais, je suppose, italien en tout cas. Mais j'adore son côté pas symétrique, que je trouve vraiment très très stylé. Mais je ne pense pas qu'on l'utilisera. Donc il faut que je trouve un autre bâtiment à mettre ici. Et en fait, bah, c'est déjà un long épisode. Donc toute la partie ruine, on va la garder pour le prochain épisode. Je sais, hein, pour ceux qui disent, ah, les pirates, bah, ils arrivent. Promis, promis, promis. Moi aussi, j'ai vraiment hâte de m'y mettre aux pirates. Mais là, je suis plutôt content de ce qu'on fait, donc j'ai pas envie de le bâcler. Hey, par contre, je me demande si certains de ces bâtiments-là pourraient venir ici, si je les mets en ruine. Ah, il est gros quand même. Juste pour voir. Ah ouais, c'est beaucoup trop grand. Ah, c'est dommage, ça aurait été. Et si on casse, si on enlève tout l'étage du bas? Ouais, si on garde juste cette partie-là, faut voir. Je le garde dans la tête et puis après, bah, faudra le transformer en ruine. Donc ouais, dans cet épisode, on va faire le bâtiment qu'il y a là et on va mettre le bâtiment qu'il y a là. Comme ça, tout ça sera terminé. Il restera vraiment que la partie ruine. Et oui, le thé que j'ai mis là, je sais pas encore si je vais le garder. Je me suis dit, bah, je peux le faire, pourquoi pas. Ça fait une jonction facile ici. Mais je suis pas encore sûr. Je vais le laisser pour l'instant. Je pense même que je vais le fermer. Mais ça m'étonnerait que je le laisse comme ça. Je pense que ça, il va vraiment y avoir une grosse place là. Donc on verra à ce moment-là. Cool. Bah, je vous propose timelapse de ça pour terminer. Et puis ouais, on se retrouve juste après.
Et paf, ça y est, on se retrouve avec une moitié de notre parc, pas le parc, hein, le parc rempli. Donc vous vous souvenez, on a le labyrinthe là. Là, donc on a un nouveau bâtiment qui a fait son apparition pour la sortie. Donc vous voyez qu'on arrive ici, peut-être à la litre là. Et là, on a cette galerie. Et là, du coup, bon, bah, évidemment, on n'a pas de système de photo ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai mis de l'eau parce que c'est ce que tout le monde réclame, tout le monde veut de l'eau. Donc j'ai mis un petit peu de... Enfin, des boissons. Donc j'ai mis des boissons là. Avec un petit bâtiment sans prétention derrière, alors par contre il est entouré de plein de végétation et tout. Voilà, d'ailleurs j'adore cette vue, c'était surtout cette vue que je voulais. Voilà, de là vous voyez, quand on se balade ici sous la colonnade, on a un bel arbre, on a voilà, une belle vue derrière. Et au-dessus, donc j'ai mis bon, un petit balcon sympa avec un garde. Je me dis, oui, je sais, il fait toujours trop médiéval, hein, je m'étais déjà fait la remarque sous terre. Mais je trouve que quand même, si c'est un palais de Néron et tout, il y a moyen que ça marche. Et du coup, non, j'en ai pas mis un là. J'hésite, je pensais peut-être en mettre un là, genre pour bloquer cet accès ou quelque chose comme ça. Voire pour bloquer chacun des accès. Bon, faut voir. Alors, ça pourrait être intéressant de mettre d'autres gardes par là. Et donc ouais, j'ai mis pas mal de végétation et tout, et surtout là j'ai également terminé, voilà, enfin, j'ai fait cette partie sous terre. Alors on a une partie ici avec, alors oui je sais, eux ils flottent, mais ça se voit pas de là, on les voit à peine, mais ça me semble, enfin c'est pas grave qu'on les voit un petit peu moins. Et du coup donc on a ce sorte de crâne, à la base je voulais que ce soit une sorte d'entrée mais j'ai pas vraiment réussi. Et ici j'ai un autre sorte de donjon sympathique, hein, n'est-ce pas, avec des flammes là, avec ce truc là ici, enfin voilà, c'est que du bonheur. Et donc là ça fait toute la première partie de cette zone, et donc quand on sort ici, là il y aura que des ruines. Je trouve que du coup ça marche vachement bien, parce que ça veut dire que... Enfin, c'est un accident, hein. Enfin, plus ou moins, je l'avais groupé quand même. C'est-à-dire qu'on arrive ici, tout est ultra luxueux et tout. Voilà, tout ça est en super bon état. On traverse cette zone horrible et on arrive dans une zone où il n'y aura que des ruines. Tout là, ce sera que des ruines. Après, on rentre dans un nouveau tunnel. Et une fois qu'on en sort, boum, on est de nouveau dans la zone luxueuse. Donc finalement... c'était un accident d'avoir ces deux tunnels là, mais vous vous souvenez que je m'étais demandé est-ce que je le mets là le tunnel ou est-ce que je le mets là, et je suis vraiment très content de l'avoir mis là, au final ça marche super bien. Voilà, bon bah écoutez, je sais très bien que vous voulez qu'on passe à la zone pirate et c'est pour très bientôt, mais je trouve que ce qu'on a fait là, ça vaut vraiment le coup, et on a fait pas mal de choses dans un épisode en plus. Donc on a fait notre superbe labyrinthe dont je suis très très content, avec sa grande statue dorée pour Néron, et puis juste voilà, le labyrinthe de manière générale. On a bah, tout l'autre côté avec l'espèce de colonnade circulaire, l'espèce de petit temple incrusté dans la falaise, et puis pas mal de végétation qui lie le tout quand même. On a ce nouveau bâtiment, donc la sortie de l'attraction avec l'eau, la colonnade également qui est plutôt cool avec le sol là-dessus. Et enfin, on a la zone souterraine qui fait vraiment le lien avec cette sorte de descente aux enfers, quelque chose à voir avec le Styx, on va dire. Et ouais, donc bon, super content de ce qu'on a fait jusque-là, et dans le prochain épisode, on va faire toute la partie en ruine de l'autre côté. Voilà, en tout cas, merci à tous de m'avoir suivi, on se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.